Je peux t'aider? Je viens voir le lieutenant Anderson. Tu as une autorisation? Oui. Le lieutenant Anderson n'est pas encore là, mais tu peux l'attendre à son bureau. La tension dans l'Arctique s'accroît une fois de plus, après la collision d'un porte-avions russe contre un navire de patrouille américain la nuit dernière. Plusieurs tirs d'avertissement ont été échangés entre les deux camps, sans faire de victimes ou de dégâts, semble-t-il. Le ministre de la Défense, Dennis Riggs, a dénoncé une provocation... Je cherche le bureau du lieutenant Anderson. ...vient de réagir. C'est le bureau qui est là. Notamment la Suède et le Canada, ont ordonné le retrait de leurs forces militaires ainsi que la tenue d'une conférence internationale. Pour l'instant, ni Moscou ni Washington n'ont souhaité réagir. Nous vous tiendrons informés en temps réel de l'évolution de la situation. Excusez-moi. Savez-vous à quelle heure le lieutenant Anderson arrive habituellement? Ça dépend où il a passé la nuit. Et si on a du bol, on le verra avant midi. Merci. Je suis content de vous retrouver, lieutenant. Oh, bordel. Hank! Dans mon bureau! Merde, regardez-moi ça! C'est le retour de notre ami l'inspecteur Plastoc. Encore bravo pour hier soir, très impressionnant. J'avais jamais vu d'android comme toi avant. T'es quoi comme modèle? RK-800. Je suis un prototype. Un prototype? Détective Android. Alors les machines vont finir par prendre notre place, c'est ça? Hé, hey, sers-moi un café, Trouduc. Tu vas te bouger, ouais? Il nous faut vraiment un avis de l'expert. Désolé, mais je ne reçois mes ordres que du lieutenant Anderson. Oh, oh. Si Hank n'était pas intervenu hier soir, je t'aurais défoncé pour avoir désobéi à un humain. Reste pas dans mes pattes, parce que la prochaine fois, tu t'en tireras pas comme ça.
D'après plusieurs sources, CyberLife aurait fourni à la police de Détroit un prototype d'android détective. Les androïdes assistants policiers existent. Écoute. Quoi? Tu regardes quoi comme ça? Eh, hey, pas chier. Ces gens vont me détruire. Je suis désolé. Ce n'est pas ce que je voulais. Mais il n'y a rien que je puisse faire. Je sais que tu me caches quelque chose. J'ai besoin de savoir avant qu'il t'emporte. La sculpture que tu as faite, parle-moi un peu d'elle. Je vais mourir. Ouvrez la cellule, vite! Allez! Je vais appeler CyberLife. Nettoyez-moi ce bazar. J'ai comme l'impression que ma présence vous occasionne certains désagréments, lieutenant. Sachez que j'en suis profondément désolé. Quoi qu'il en soit, sachez que je suis très heureux de travailler avec vous. Je suis sûr que nous ferons une bonne équipe. Y a-t-il un bureau de libre pour moi ? Celui-là n'est pas occupé. Vous avez un chien, n'est-ce pas? Comment tu sais ça? Les poils de chien sur votre siège. J'aime les chiens. Je peux pas. Comment s'appelle votre chien? Qu'est-ce que ça peut te faire? Dis pas, mais... Sumo, je veux voir. Il s'appelle Sumo. Vous êtes fan des Gears de Détroit? Denton Carter a marqué 53% de ses paniers de derrière la ligne des 3 points hier. Avez-vous vu le match?
J'étais en train de le suivre au bar hier soir. Oh. Vous écoutez le groupe Knights of the Black Death? J'aime beaucoup cette musique. Elle est tellement dynamique. T'écoutes du heavy metal, toi? Eh bien, je n'écoute pas la musique à proprement parler. Mais j'aimerais bien. Si vous avez des fichiers sur les déviants, j'aimerais les consulter. T'as un terminal sur ton bureau. Fais-toi plaisir. Dossiers. Les premiers remontent à 9 mois. Tout a commencé à Détroit et ça s'est répandu dans tout le pays. Apparemment, un homme aurait été agressé par un AX-400 hier soir. Ça pourrait être un bon point de départ pour notre enquête. Je sais que vous n'avez pas réclamé cette enquête, lieutenant. Mais je suis sûr que vous êtes un professionnel. Ça ne dirait pas d'aller te faire foutre. On m'a confié cette mission, lieutenant. Je ne suis pas venu ici pour attendre que vous ayez envie de travailler. Écoute-moi bien, connard. Si ça tenait qu'à moi, je vous jetterais tous dans une benne à ordures. Et j'y voudrais le feu direct. Alors arrête de me les briser, ou tu vas t'en prendre plein la gueule. Lieutenant? Désolé de vous déranger. J'ai des informations sur l'AX-400 qui a agressé l'homme hier soir. On l'a aperçu dans le quartier de Rivendell. Je m'en occupe.
Alice? Réveille-toi, Alice. C'était pas un cauchemar, alors? Non. Non, c'était pas un cauchemar. Comment tu te sens? J'ai froid. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? L'androïde qu'on a vu hier, il m'a donné une adresse, il a dit qu'on trouverait de l'aide là-bas. Les trains passent juste de l'autre côté de la route. La gare ne doit pas être très loin. Tu crois que tu peux marcher un peu? Alors allons-y. T'es plus jolie comme ça. T'as vraiment l'air d'une humaine maintenant. La police est à nos trousses. Ok. C'est tout pour l'instant. Tu peux y aller. On a des agents qui inspectent le quartier au cas où quelqu'un aurait vu quelque chose. Ok, préviens-moi s'ils trouvent quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Aucune idée. Elle a pris le premier bus qui passait et est restée jusqu'au bout de la ligne. Sa décision n'était pas planifiée, mais fondée sur la peur. Les androïdes ne ressentent pas à la peur. Les déviants, ils peuvent être submergés par leurs émotions et prendre des décisions irrationnelles. Ça nous dit toujours pas où elle est allée. Elle n'avait rien prévu et ne savait pas où aller. Elle n'est peut-être pas loin. Peut-être. Elle ira pas loin. On la retrouvera tôt ou tard. On y va.
Ça va aller ?